Et ça y est, Studio Bubble Tea lance son premier jouet. Créapâte est une pâte à modeler à faire soi-même. Un petit peu de poudre, un petit peu d'eau, vous remuez et ça vous donne une pâte à modeler 100% alimentaire, c'est-à-dire comestible. Alors allez-y, amusez-vous et bien sûr... Vivez vos rêves! Une petite salle pour nous, très sympa. Ah, Paris, même sous les nuages, ça reste une des plus belles villes du monde. Un arbre à carottes, un caroutier, papa. Caroutier, c'est un arbre qui fait des carottes. Hello, t'es la Coco Chris, comment ça va aujourd'hui les filles? Voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va voir un film. Et on va voir quoi? Ça. Oui, on passe devant l'affiche. On va voir Pierre Lapin, voilà, en avant-première, puisque ça sort le 4 avril au cinéma. Donc je vais peut-être mettre la vidéo le jour de la sortie ou la veille, je vais voir. En tout cas, voilà, on va vous dire ce qu'on en pense. C'est parti, on va prendre le métro. Ça se passe sur les Champs et après, on a une petite surprise après le cinéma. Vous allez voir, ça va être trop top. Et quand on est dans le métro, direction les Champs-Élysées. Attention, petit lapin. C'est la place des lapins. J'ai pris notre place. Et après, le cinéma vous réserve une surprise. On verra ça juste après. Allez, go, direction. Lapin, lapin. Nathalie, on est sur les Champs, les filles. C'est par là que ça se passe. C'est ici que nous allons. Bonjour. Ah, merci. Alors, c'est ici, mais je ne sais pas si c'est par là qu'on rentre. Oui, c'est là. Hop là. Bon, il y a déjà du monde. On va bientôt rentrer dans la salle privatisée pour l'avant-première de Pierre Lapin. Une petite salle pour nous, très sympa. Asseyez-vous les filles. Tu veux un petit rehausseur, Athéna? Oui. Allez-y, mettez-vous où vous voulez. Ça y est, on est dans la salle. Voilà, c'est Caïs qui me filme. Je ne sais pas pourquoi, des fois, elle prend la caméra. Regardez la bande-annonce, vous allez comprendre déjà. On espère que le film vous plaira. C'est à la fois Pierre Lapin de la comédie, mais aussi un film d'aventure avec des personnages un peu malicieux. Donc ça devrait plaire vraiment au plus grand nombre. C'est un film qui mêle à la fois animation et film réel, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des vrais acteurs et il y a des personnages animés. Pour le casting, pour les voix françaises, on est content d'avoir comme acteurs les comédiens de la bande à Fifi. Donc on a Philippe Lachaud, Élodie Fontan, et Julien Arruti. Et à des acteurs britanniques, Domhnall Gleeson et Rose Byrne, que vous verrez à l'écran. Et bien sûr, les personnages de Pierre Lapin sont ont été créés par Beatrix Potter, donc c'est basé sur la série de livres que vous connaissez déjà peut-être. Et voilà, le film sort en salle le 4 avril, donc dans 2 semaines. Et donc la journée ne s'arrête pas là, puisque après, quand la projection sera terminée, on vous retrouve, on prend un bus et on va au BHV. Et qu'est-ce qu'il y a au BHV? À la terrasse du BHV, il y aura une chasse aux œufs, au chocolat. Alors, ouais, c'est pas des œufs finalement, parce qu'on s'est dit, bah, Pierre Lapin, c'est un lapin, et est-ce que là, un lapin, ça fait des œufs? Quelqu'un a la réponse? Non. Après, on s'est dit, peut-être, on pourrait faire une chasse aux brocolis, parce que, enfin, ça change un peu quand même, c'est rigolo. Et on a eu un gros débat en interne, genre plutôt team brocoli, plutôt team chocolat. Je sais pas, les enfants, vous êtes plutôt brocoli, chocolat? On peut encore changer, hein, donc dites-le. Soit on fait une chasse aux brocolis, soit au chocolat. Chocolat. Bon, ok, on est sympa. On va faire une chasse au chocolat alors. Donc voilà, chasse au chocolat sur la terrasse. On croise tous les doigts pour qu'il ne pleuve plus. Très bonne projection et on vous retrouve dans 1h30 à peu près. À 16h30. Merci beaucoup. Et voilà, à tout à l'heure, Calice. De fin. Bon film. Et bon film à tout le monde. Merci, à tout à l'heure. Les grands pouces bleus. Ouais. Bon, ouais. Et il y a un petit sac souvenir. Oh, il y a une boîte souvenir qui arrive dedans. Oh, c'est pour faire le jardin, pour jardiner. Ah, c'est pour jardiner des tomates.
planter des tomates, que tu adores les tomates. Bon, ça y est, Sena, il y a le bus qui nous attend. Allez, tu peux monter. Allez, c'est parti. Destination maintenant, VHV. Et qu'est-ce qu'on va faire là, Sena, tu te souviens? Une chasse aux œufs au chocolat. Oui, comme c'est la période de Pâques, même si Pâques est passé, eh bien, on va chercher des carottes au chocolat. Voilà, comme Pierre Lapin. Arcalis, qu'est-ce que tu as préféré dans le film? Les carottes. Mais quand il marche sur les râteaux. Ouais. Moi, c'était quand il s'était triste et qu'il avait aïe. C'est drôle ça. Ouais. Et moi, j'ai préféré. Quand il dit. Oh, mais j'aime bien en fait les animaux. Les animaux entre eux sont trop rigolos, ils sont plein de blagues. Et moi j'ai envie d'avoir un lapin maintenant. J'avais pas envie d'avoir un lapin à la maison. C'est trop mignon, franchement. Ah, là, ils sont trop mignons, on a envie de leur faire des câlins. Alors ça, c'est pour mettre un portable, forcément un portable rond. Non, évidemment, je peux mettre un portable normal, voilà, comme ça en fait. Il épouse la forme du truc, il a des oreilles de lapin. Tu veux essayer? Oui. Okay. Et voilà, ça y est, le bumper est installé. Regardez les filles. Papa. Ah, j'adore, je kiffe. Oh, c'est kawaii. Ah, ça y est, avec Alice, elle en profite pour jouer. Ah, Paris, même sous les nuages, ça reste une des plus belles villes du monde. Comme Londres, hein, qu'on voit dans le film. Et là, c'est la monnaie de Paris. Je connais bien. Ah, moi, il est sur la dernière ligne. Qu'est-ce que c'est? Donc, la deux villes et le village vert. Et là-bas. Et voilà, bravo les filles. Et ça y est, on arrive. Voici le bazar de l'hôtel de ville, le BHV. On attend l'ascenseur. Et on va tout en haut. Septième étage. C'est parti, merci. À gauche. Le long couloir. Merci. Attrapez, Athéna. Ah, oui. Oh. Bonjour. C'est quoi ça? Athéna, t'as eu ton petit sac? Voilà pour toi. Ah, ah, donc il faut trouver des carottes en chocolat comme ça. Celles-là sont faciles à trouver. Du chocolat fondant bio, c'est une préparation pour un fondant. Oh, trop bon ça. Allez, on entre dans l'endroit où sont cachées les carottes au chocolat. Allez, c'est parti les filles. Oh bah oui, là, il y en a plein. Jackpot. Mais en fait, il y en a plein, plein, plein. Mais oui, il y en a plein, plein, plein. C'est facile à trouver. Un arbre à carottes, un carottier. Carottier, c'est un arbre qui fait des carottes. Calice, elle a trouvé celle-ci. Non, 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 le petit goûter. Il y a du jus de carotte. Oh, c'est mignon ça. Et t'avais vu, il a plu. Alors ça glisse. Alors on court pas trop vite. D'accord. Un petit peu partout là, vous avez plein de carottes qui vous attendent pour les mettre dans le sac. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. J'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors attention. À vos marques. Et partez. On y va. On va chercher les carottes. Athéna, t'es où? Non, allez, c'est la récolte des carottes. Les carottes sont-elles cuites? Je vais faire du calice, moi, je suis parti. Ouais, bravo. Ouais, bah là aussi, il y a une belle brochette de carottes. Alors, la récolte est bonne? Alors, Calice? Oh, la récolte est trop bonne. Ouais. Est-ce que tu vas réussir à voir la carotte qui est en l'air? Là-bas, il y en a. Ah ouais! Personne n'a prise encore la carotte qui est en l'air. Alors, est-ce que tu vas arriver à l'attraper? Ah, il y a la tête. Ah, oh, t'es lourd, t'es lourd. Attends, c'est toi qui est lourd, c'est pas moi. Oui, c'est bon, je suis prête. Ouais, mais moi, je suis pas prêt. Oh. C'est bon, je l'ai. Ok.
allez, je crois que c'était bon là. Et Athéna. Allez Athéna. Alors Athéna, tu veux voir ta petite récolte? Waouh. Bravo, championne. T'en veux une? Oh merci. Même ici, toutes les carottes sont parties. Bon bah voilà, Pierre Lapin au cinéma, franchement c'est trop rigolo. Ben voilà, c'est ainsi que va terminer ce vlog, on va descendre. Vous êtes très bien, voilà. Bravo à l'organisation, on s'est bien amusé. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce vlog. Alors c'était bien Pierre Lapin. Oui. Oui, Athéna, plein de petites carottes. Toi Caïs aussi t'as aimé, bah oui, le chocolat vous aimez. Et le film est très rigolo. Donc voilà, on va passer une très bonne après-midi. Et j'espère que malgré le bruit, vous avez aussi aimé cette vidéo, les petits copains. C'est oui, bien sûr, comme d'hab, un pouce bleu, on commente, on s'abonne. Et puis allez voir nos jouets Créapates. Tout est dans la description, il y a un petit bandeau qui défile. Et puis téléchargez l'appli gratuite, voilà. Je te dis. Ouais, je crois. Demain. Soyez vous. Quelque chose à rajouter? Oui, soyez vous. Soyez bien. Soyez bon. Et vivez vos rêves. Bravo, Caïs. Je n'ai plus rien à rajouter, les filles. Bravo. Si ce n'est carottrapé. Voilà, c'était le dernier mot.